qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. Voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Oh. Rebecca, vraiment, je ne comprends pas comment il a pu me faire autant de mal. Je ne comprends pas. Pourquoi Leonardo a dû m'humilier de cette façon? Pourquoi, Rebecca? Mais cette petite garce va me le payer. Elle va me le payer, Rebecca. Parce que je te jure que je vais tout faire pour la rendre malheureuse. Je te le jure. Je te le jure. Pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu veux montrer? Hein? Ton manque de maturité et de confiance en toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te crois supérieur parce que t'es toujours d'accord avec notre père? Est-ce que tu sais comment on appelle les gens comme toi? Un clone? Comment? Bon, un moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi haussez-vous la voix comme ça? C'est bon, calmez-vous. J'espère quand même pas que vous allez vous disputer justement aujourd'hui, le jour de la fête de votre père. Je vous en prie, l'instant est mal choisi. Quelle honte! Que vont dire les invités? Et si la situation empire et on me frappe et je tombe dans la piscine? Votre oncle dans la piscine? Ah, il ne s'agissait pas de ça, n'est-ce pas? Ah, bien sûr que non. Ah, évidemment, vous êtes ravi du mariage de votre père. J'aime ça. On va faire une chose. On va tous trinquer en l'honneur de Leonardo et d'Irene. Santé. Tu es magnifique. On fait comme on peut? Non, bien plus que ça. Tu es belle, radieuse. Ah, je t'en prie, n'exagère pas. Ah bon? C'est Trinidad qui m'a fait cette robe, la mère d'Irene. C'est vrai? Cette femme coûte très bien. On dirait une robe de créateur, tu ne trouves pas? Oui. Évidemment. Moi, je n'ai pas d'argent pour payer un créateur. Maribel, tu n'as pas besoin d'une robe de créateur. Tout te va très bien. Merci beaucoup. Hé, dis-moi, pourquoi tu cherches toujours à t'éloigner de moi? Parce que je ne veux pas finir écrasée comme une punaise. Comment ça? Eh bien, parce que toutes finissent et jurent que comme elles volent, elles savent tout. Mais elles finissent toutes écrasées sous une chaussure. Oui, je sais que ça vous fait rire, mais moi non. Pour moi, c'est une malchance. Vous savez, monsieur, je vous conseille de ne pas courir derrière les problèmes. Mais pourquoi il devrait y avoir des problèmes? Monsieur Finol, j'ai été très claire avec vous. Nous ne venons pas du même monde tous les deux. Évidemment, du même univers. Vous de Mars et moi de Vénus. C'est le mieux pour tout le monde. Santé. Excusez-moi. Des messages continuent à arriver. Les gens s'excusent de ne pas être venus au mariage. Allez, maman. Allez, essaye d'oublier ça, sois tranquille. Essaye de passer à autre chose. Mais comment oublier le mépris, mon fils? Ah, ça alors. Tu te souviens quand ton frère s'est marié avec Rebecca? Toutes les personnes appelaient pour qu'on les ajoute sur la liste des invités. Là, non. Maintenant, il fuit devant cette idée. Nous devons avoir confiance en Leonardo, je t'en prie, en sa sagesse, mais aussi en son discernement. Il a dit que tout ce qui s'est passé ne nous affectera pas. Mais c'est déjà en train de nous affecter, mon fils. Si vous m'écoutiez un peu, vous auriez plus de chance dans la vie. Oui, maman, tu as raison. Tu m'as assez souvent répété de ne pas sortir parce que je pourrais avoir un accident. Et regarde, j'aurais dû t'écouter et ne pas sortir. Tu plaisantes sur n'importe quoi. Toi aussi, tu devrais m'écouter un petit peu plus et oublier ce petit jeu stupide avec la femme de Finol. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles, maman? Tu me prends pour une idiote? Je sais que vous avez déjà eu une histoire dans le passé. Eh bien, maintenant que son mariage ne fonctionne plus... Oublie tout ça. Tu m'entends? Elle ne s'intéresse pas à toi, mon fils. Elle s'intéresse à ton argent, ça oui? Oui. Oui, je pense que tu as raison, maman. Mais il se trouve que je n'ai rien d'autre à lui offrir. Tu es un homme gentil. Tu es intelligent, tendre, beau, mais ne te trompe pas. Surtout, ne te fais pas avoir. Pour que les choses marchent bien dans la vie, il faut regarder la réalité en face. Décidément, j'arriverai jamais à m'habituer à cette cravate. Je vous avais prévenu, mais vous aviez décidé de vous déguiser en personne élégante. Mais bon, papa s'en fiche. Il est certainement en train de s'habituer au style de sa nouvelle famille qui n'a rien d'élégant. Ne sois pas méchant, Léo. Tu oublies qu'ils font aussi partie de la famille. Irene ne sera jamais ma mère et ces gens ne seront jamais ma famille. Tu parles beaucoup, mais t'arrêtais pas de regarder la petite sœur. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai vu, Léo. Je suis ni aveugle ni bête. Alors fais attention, t'as entendu? T'as beaucoup à perdre. Oriana! Oriana! J'adore quand elle est comme ça. Elle en est presque plus jolie. C'est ma sœur, alors dépêche-toi. Parce que si tu continues comme ça, tu pourrais tout perdre. Je vais me servir un verre. Alors deux. Beaucoup de bonheur, mon ami. Je t'aime. Merci de m'accompagner. De rien. Tous mes vœux de bonheur, Irene. Félicitations. Ma petite sœur. Dis à maman que j'ai vraiment vécu le plus beau jour de ma vie. Et que demain, j'irai la voir. Sois tranquille, vraiment, pas besoin d'aller la voir. Imagine aujourd'hui qu'une nouvelle vie commence pour toi et t'auras 1000 choses à faire. C'est vrai. T'inquiète pas, Irene, je m'occupe de tout. T'inquiète pas. Oui, j'irai. Mais d'abord, je vais te demander de faire attention à sa tension. Il faut qu'elle prenne ses médicaments toutes les 6 heures. Toi aussi, Sandra. Les filles, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. Irene, enfin, déconnecte-toi de la réalité et vis ton rêve. Ciao. Félicitations. Merci. Bon, je pars. J'espère que Leonardo te rendra vraiment aussi heureuse que tu le mérites. Merci, Felipe. Merci de toujours être là pour ma famille à nous soutenir. Ah, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Toujours. Je suis très heureuse parce qu'Irene reste vivre avec nous. Moi aussi, j'en suis très heureux, mon amour. Est-ce que tu crois qu'elle pourra me lire un conte avant d'aller me coucher? Ah, ma chérie, tes yeux sont déjà en train de se fermer. En plus, Irene, aujourd'hui, est très fatiguée. Elle a eu une journée très chargée et elle ne pourra pas parce qu'elle doit se reposer. Peut-être que demain, elle te lira tous les contes que tu voudras, mais pas aujourd'hui. Allez, papa. Je n'aime pas m'endormir toute seule. Si tu veux, je te lis un conte. Irène, mon papa m'a dit que demain tu pouvais me lire un conte. Bien sûr, tout ce que tu voudras. Bonne nuit, Irène. Bonne nuit, ma princesse. Je monte la coucher, je lui lis une petite histoire et je te rejoins. Ne t'inquiète pas. Irène! Ça alors? Je n'aurais jamais cru te trouver ici. Eh bien, je suis ici. Je pensais que les ragots qu'on racontait étaient faux, mais je vois que pas du tout. Alors c'est vrai. Leonardo ne t'a pas emmené en voyage de noces. Oh. À mon avis, il pense que tu ne le mérites pas. Pourquoi es-tu venue, Alejandra? Apporter mon cadeau de mariage. Je te l'ai dit. Si j'avais su que je te trouverais ici, je ne serais même pas venue. Je sais que c'est la journée la plus importante de ta vie et j'espère que tu ne me trouveras pas envahissante. Tiens, je crois que ça te plaira. Je te remercie. Mais tu n'aurais pas dû venir ici. En plus, tu savais très bien qu'on n'allait pas en voyage. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venue ? Bien, je savais que vous ne partiez pas, mais je n'aurais jamais imaginé que Leonardo te laisse toute seule la nuit de tes noces. Oh, lui qui est tellement passionné. Mais que dis-je? Oh, tu le connais aussi bien que moi, sur ce plan-là. Ça suffit, Alejandra. Je t'en prie, sors de chez moi maintenant. Je ne veux supporter ni tes impertinences, ni tes sarcasmes. Va-t'en. C'est décidément très facile de prendre goût aux bonnes choses. Irène, tu n'auras pas mis longtemps. Ça y est, tu dis, sors de chez moi. Oh, quelques heures ont suffi pour que tu aies déjà oublié la séparation de biens. Notre amour est suffisant. Je ne veux rien d'autre. Hypocrite. Alejandra, je te demande poliment et gentiment de partir de chez moi maintenant. Alors tais-toi et sors d'ici. Et si je ne veux pas, tu vas me mettre dehors toi-même? Ou c'est moi qui le ferai? Il vaut mieux que tu fasses ce qu'a demandé mon épouse. Sors de chez nous, ou c'est moi qui m'en occupe. Merci pour ta générosité, Felipe. Rends-moi un service et ramène Maribel chez elle. Oui, bien sûr. Felipe, vraiment, merci beaucoup pour tout et... viens nous rendre visite quand tu voudras. Avec ce mépris, j'en doute. Le pauvre. Bon. Ciao. Prenez soin de vous. Bonne nuit. À toi aussi. Ciao. 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 Salut. Bien, Maribel. Loupé m'a donné une mission. Je dois l'accomplir. Dis-moi où t'habites, je te ramène. Non, non, ne t'inquiète pas. Je peux aller jusque chez moi. Ça ne me dérange pas. Non, 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 ça me dérange pas, pas du tout. Au contraire. Je préférerais que tu m'accompagnes un moment de plus, avant de retrouver la solitude de chez moi. Bien sûr, je te comprends. Aujourd'hui n'a pas été la meilleure journée pour toi. C'est clair que... Non, dis rien. C'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Je suis heureux. Vraiment, Maribel, je suis heureux parce que finalement... Irène a pu réaliser son rêve et... plus que personne, elle mérite d'être heureuse. Non, tu ne vas pas me faire croire ça. Je sais que tu aimerais être la raison de son bonheur. Ça, c'est la vérité. Je peux pas le nier, Maribel. Mais elle a pris une bonne décision. J'espère simplement que, ce sera la bonne et, qu'après ça, elle sera heureuse, vraiment. Tu as raison. Oui, tu as tout à fait raison. Irène mérite ce qu'il y a de mieux dans ce monde. C'est la personne la plus gentille que je connaisse. Oh, maman, excuse-moi, d'accord? Honnêtement, je savais pas que t'étais dans le salon. Oh, j'attendais que vous arriviez. Oh, enfin, que tu arrives. Parce qu'Irène est la maîtresse d'une autre maison. En fait, ça va être très dur parce que s'occuper de 5 enfants n'est pas facile du tout. Et moi, je dois m'habituer à être seule parce que je n'ai plus que toi. Allez, maman, ne sois pas dramatique, d'accord? Irène nage en plein bonheur, crois-moi. La première chose qu'elle me dit, c'est qu'elle viendra demain. Non. Je sais ce que sont ses promesses. Il arrive un jour où les enfants ne reviennent plus. Ils nous oublient, nous, les mères. C'est comme ça. J'aimerais penser que ma fille va être heureuse, mais je ne sais pas. Je ne peux pas y croire. Moi, oui, j'en suis sûre que ma sœur va être heureuse. Tu aurais vu son visage radieux de bonheur dans cette si jolie maison. Je suis certaine qu'elle sera très heureuse. Ça, c'est maintenant, Maria Lucia. Des jours terribles vont arriver. Difficiles pour Irène. Et je suis effrayée. Je suis effrayée, Maria Lucia, parce qu'Irène est si fragile. Si pure, si tendre. Pourquoi est-ce que tu es venue ici? Vous apportez votre cadeau de mariage? C'est pas grand-chose. Ne me mens pas, je t'ai entendu. Eh bien, Leonardo, tu es arrivé un peu tard dans notre conversation. Et évidemment, tu interprètes mal les choses. Je suis juste venue vous apporter un petit cadeau. En plus, c'est ta femme qui a commencé à m'insulter. Je te connais trop bien. Je connais aussi parfaitement Irène. Je t'avais demandé de respecter mes décisions, et qu'également tu la respectes. Je crois que tu n'as pas bien compris, n'est-ce pas? Tu sais que je t'ai toujours respecté. Dans ce cas, je pense que tu n'as rien compris du tout, parce que Irène, mon épouse, désire que tu t'en ailles. Ah, et s'il te plaît, ramène ce cadeau. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est certain que nous n'en aurons pas besoin. Ne t'inquiète pas. Une chose est sûre, elle ne t'importunera pas. Je vais m'en charger. J'espère, mon amour. Bonne nuit, Alejandra. Je te déteste, Irène Gutiérrez. Je te déteste. Je t'assure que tu n'es pas la seule, ma chère. Santé. Bienvenue dans votre chambre. Madame Ferrandis. Je croyais avoir été claire quand je... Je me rappelle très bien de l'accord que nous avons passé. Mais que vont penser les enfants si, pour notre première nuit de noces, nous dormons séparément? Je croyais que... Je suis un homme de parole. Ne t'inquiète pas. Je respecterai ce que tu décideras. Nous avions un accord. Et ici, il n'y a qu'un seul lit. C'est logique. C'est une chambre matrimoniale. Non. Leonardo, ce n'est pas ça l'accord que nous avions. Je le respecterai. Mais tu vois ce qui vient de se passer avec Alejandra. Si nous ne dormons pas ensemble, les mauvais commentaires vont commencer et les ragots de toutes sortes. Je vais respecter ma parole. Malgré moi, ce sera seulement quand tu le voudras. Est-ce que tu dis sérieusement que c'est malgré toi? C'est si dur de ne pas tenir ta parole. Et qu'est-ce que tu crois? Tu es mon épouse, Irène. C'est normal que nous partagions notre intimité. Je ne vais pas te mentir. Te dire que je ne te désire pas, ce serait un mensonge. C'est aussi très difficile pour moi. C'est toi l'homme que j'aime. Et c'est dans tes bras que je souhaite me réveiller tous les jours le reste de ma vie. Mais cet accord est la seule chose qui me reste pour me protéger. Je ne veux pas souffrir. Ce sera comme ça. Ne t'inquiète pas. Je respecterai ta décision. Ce sera quand tu le voudras. Ce sera seulement quand tu le décideras. Mais je dois t'avouer que je suis tellement heureux de t'avoir ici. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Attends, Leonardo, je t'en prie. Je ne veux pas continuer à attendre. Tu ne sais pas depuis combien de temps j'attends ce moment-là. Tu as promis de respecter mes conditions. J'ai promis de t'aimer. Et c'est ce que je veux faire sans plus attendre, Irene. Non, non, c'est sérieux. Mais enfin, je t'en prie, regarde-toi, tout ton corps tremble. Tu en as autant envie que moi. N'essaie pas de me repousser. Bien sûr que je le désire, j'en ai très envie. Mais pas comme ça. Leonardo, je t'en prie, je veux être certaine que tu m'aimes. Et que tu veux être avec moi. Parce que tu m'aimes et pas seulement parce que tu me désires, tu es d'accord? Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Je t'ai promis de t'aimer beaucoup plus que n'importe quel autre homme dans ta vie. Le temps te le dira. Je t'en prie, je te le demande. Je t'en prie, je t'en prie. Irene, Irene, je t'en prie. Je sais, mon amour. Quand je verrai ton amour dans ton regard, quand je le sentirai dans tes mots, je te promets qu'à ce moment-là, je serai tout à toi. Pour toujours, s'il te plaît. Je la déteste! Je déteste cette secrétaire stupide! Personne ne peut m'humilier de cette façon! Et encore moins elle! Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu que tu passerais un mauvais moment en allant te jeter dans la gueule du loup. Mais comme d'habitude, tu ne m'écoutes jamais. Comment tu le sais, toi? Tu me fais surveiller maintenant? Non, mon amour, j'ai pas besoin de t'espionner. Je te connais suffisamment bien pour savoir où tu es allé aujourd'hui et quelles étaient tes intentions. Il suffit de te regarder pour comprendre que ça s'est très mal passé. Je la déteste, Rodrigo, je la déteste. Elle est si insignifiante, si fade, si minable. Et pourquoi tu n'oublies pas cette secrétaire? Tourne la page et ne te mets pas à son niveau. Alejandra, tu es au-dessus de tout ça. Cette femme ne t'arrive même pas à la cheville. Pourquoi est-ce que tu n'oublierais pas toute cette histoire, hein? Sois tranquille, très bientôt, et je te le promets, tu pourras te venger du mal que toutes ces personnes t'ont fait. Maintenant, oublie ces mauvais moments et allons nous amuser un peu tous les deux, d'accord? Ça va être délicieux. Ça va être délicieux. Rodrigo, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un homme cette nuit. Fais-moi l'amour. Ouais, si tu le souhaites. Fais-moi me sentir belle, Rodrigo. Je t'en prie. Bonne nuit, Madame Ferrandis. Bonne nuit, Monsieur Ferrandis. Irène, je peux me coucher avec vous? Bien sûr que tu peux. Monte. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite. Vous avoir toutes les deux serrées tout contre moi. Irène, raconte-moi cette histoire. Mon papa n'a pas pu la finir hier soir. Ce n'est pas comme ça, mademoiselle. Vous vous êtes endormie alors que votre père vous lisait une histoire. Maintenant, il faut prendre le petit déjeuner. Très bien, mais ne te fâche pas. Irène va me la lire, d'accord? Bien. D'accord, on va le lire, mais après on descend prendre le petit déjeuner. Il faut écouter ton papa. Ok. Irène, je peux t'appeler maman? Mon amour. Tu peux m'appeler comme tu veux, ma petite princesse. S'il vous plaît, messieurs, faites très attention. C'est le portrait de ma sœur. Avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement sa valeur sentimentale, mais ce qu'il représente pour l'homme d'affaires Ferrandis. Vous me comprenez? Petite, où vas-tu avec ça? À la piscine. Où est Consuelo? À la piscine. Consuelo, hein? Qu'est-ce que vous êtes censée faire avec le petit déjeuner là dans le jardin? Monsieur Ferrandis, depuis hier, m'a ordonné de servir le petit déjeuner dans le jardin. Comment ça? Eh bien non, il se servira dans la salle à manger comme on le fait depuis toujours. Bien, mais il dit qu'il veut déjeuner dans le jardin avec son épouse Irène et ses enfants. Eh bien, ils vont prendre le petit déjeuner dans la salle à manger, parce que je ne pense pas perdre nos bonnes habitudes, parce qu'une pièce rapportée sans valeur se trouve ici. Mais lui voulait qu'aujourd'hui soit une journée spéciale. Mais combien de fois devrais-je te le répéter pour que tu le comprennes, Consuelo? Hein? Je suis toujours celle qui décide dans cette maison, et je décide que le petit déjeuner sera dans la salle à manger. Parce que sinon, je chercherai du personnel qui puisse enfin comprendre les ordres. C'est bien clair pour tout le monde? C'est bien clair, vous avez compris? Allons-y. Allons-y. Non, mets-le ici. Ce n'est pas possible. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne me dis pas que tu es en train de t'empoisonner avec les chroniques people. Oh non, c'est pire que ça. Ce que ces journalistes osent publier, c'est vraiment indigne. Ils attaquent la vie de mon fils, son mariage, et puis même l'entreprise. Eh bien maman, nous avons prévenu Leonardo qu'une chose comme ça pouvait bien arriver. Mais il a refusé de réagir à temps et d'éviter les critiques. Il a même interdit au département de presse d'intervenir et il a refusé de fournir toute explication. Mais il est encore temps de faire des déclarations où il pourra justifier sa dernière décision. Qu'il l'accepte ou pas, cela porte énormément préjudice à notre entreprise et c'est un patrimoine familial, pas seulement le sien. Eh ben oui, mais c'est aussi ses enfants. Il diminue aussi sa femme. Elle, je pense, ne va pas supporter une attaque aussi forte. Ah, enfin nous y sommes. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, maman. Irène. Irène, miracle divin, depuis quand tu t'inquiètes pour Irène, maman? Je sais. Le fait que je ne la considère pas comme la femme de mon fils ne veut pas dire que je la déteste, je t'en prie. Ce que je sens, c'est de la peine pour elle. Non, tout cela est horrible. Il critique ses vêtements, son mariage, ses vêtements et aussi tout le reste. Laisse-moi voir ça, maman. Oh, c'est horrible, tiens. Voyons, on va voir. Non, c'est partout, c'est horrible, dans tous les journaux. Non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Cela ne... Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment. Ils ont eu ces photos, ils ont des photos de la fête à l'intérieur de la maison. Tu crois vraiment qu'ils allaient louper un tel événement? Je t'en prie. Eh bien, c'est justement pour cette raison qu'on a autorisé l'entrée ni aux journalistes, ni aux photographes. Ah, mon fils, mais qui a pu nous faire ça? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Mais je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'une personne veut nous trahir, maman. Et cela corrobore l'idée qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui veut définitivement enfoncer notre famille. Alors, comment s'est réveillée ma princesse? Bien, je vois que tu as très faim. Bon appétit. Merci. Écoute, la presse est arrivée et ils parlent du mariage. De secrétaire à reine de l'Empire Ferrandis. Écoute celle-là. La secrétaire de cœur du bureau à la villa. Celle-ci. Celle-ci me plaît. L'heure folle de Leonardo Ferrandis et de sa secrétaire arriviste. C'est bon, non? Irene Gutiérrez, une carriériste pas très commode. Décidément, le scandale et la cruauté de leurs titres n'ont pas de limite. On dirait que c'est toi qui les as écrits. Tu me connais bien, hein? Oui, je dois bien reconnaître que c'est moi qui ai envoyé les photos. Et j'en ai aussi profité pour leur donner mon avis sur la rédaction. Oui, mais je te signale que la vérité est plus grave, Rodrigo. La presse peut dire ce qu'elle veut, mais n'empêche qu'ils sont déjà mariés. Alejandra, un mariage qui doit constamment lutter contre ça ne dure pas, mon cœur. Et en plus, tout le monde est déjà en train de parler du manque de jugement de Leonardo Ferrandis et de son instabilité. Écoute, dans celle-ci, on parle de toi avec une photo et tout. Alejandra Altamirano, la grande absente du mariage Ferrandis. Et le meilleur reste à venir. Parce qu'aujourd'hui, Leonardo Ferrandis va avoir la surprise de sa vie. Il va recevoir un cadeau de mariage qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Où tu vas, maman? D'abord, je vais à la messe. Après, je vais à la prison, rendre visite à Virginia pour qu'elle me raconte tout à propos de sa mise en liberté. Ah, d'accord. Ben, tu devrais prévenir Irene ou au moins l'appeler, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est le comble. Je dois lui demander la permission maintenant qu'elle a une autre famille pour faire ce que j'ai toujours fait tous les dimanches. Je reconnais que tu vas à l'église tous les dimanches, mais rendre visite à Virginia, c'est pas toujours le cas, non? Parce que je me souviens que tu venais directement de l'église. Mais bon, c'est pas ça. Elle viendra plus tard, certainement. Ce sont des promesses que font les enfants et qu'ils ne peuvent jamais tenir. Elle a une autre maison, 5 enfants, un mari. Nous ne faisons pas partie de sa vie. Maman, vraiment, on dirait que tu n'as jamais été heureuse. Excuse-moi, mais tu es toujours en train de te lamenter. Je suis sûre que ta sœur trouvera cette maison trop petite et qu'elle n'aura que faire de nous. Le luxe et l'illusion font toujours changer les gens. Le plus dur pour elle sera de revenir quand ils l'auront méprisée, revenir à sa réalité, avec le cœur triste et brisé. Vraiment, tu es tellement négative que ça me fait peur. Même si tu ne le crois pas, maman, dans le monde, il existe des gens heureux. C'est pour ça que je vais à l'église. Prier la Vierge. Pour mon Irene, pour Virginia, et pour toi, pour que tu ne commettes pas les mêmes erreurs qu'elle. Allez, on y met du cœur, plus vite. Le temps va changer. Agustina va me rendre folle. Consuelo. Oui, monsieur. Hier soir, je vous ai demandé de servir le petit déjeuner dans le jardin. Vous l'avez oublié? Non, comment aurais-je oublié? Mais Madame Agustina m'a ordonné de servir le petit déjeuner ici, comme tous les dimanches. Mais j'avais formulé ma demande, et je suis chez moi ici. Je n'aime pas qu'on me contredise. Leonardo, est-ce que tu as lu les journaux? Ils insultent notre famille, et avec des mots vraiment terribles, désagréables. Si les journaux nous ont insultés, il ne fallait pas les apporter. Ce qu'on dit de moi m'est égal, mais je ne veux pas que mes enfants lisent des choses désagréables. Très bien, excuse-moi. Non, non, je ne t'excuse pas. Et tu n'aurais pas dû changer les instructions que j'avais données à Consuelo au sujet du petit déjeuner. Tu dois prendre ces choses en compte pour ne pas les oublier, parce que je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le propriétaire de la maison, c'est moi. C'est bon, Leonardo. Je n'ai pas voulu te contrarier, ce n'était pas mon intention. C'est que, comme toutes ces années, les dimanches, le petit déjeuner se sert dans la salle à manger. Évidemment, toi tu n'es presque jamais avec nous parce que tu as beaucoup trop de travail. Mais c'est une tradition, c'est la tradition familiale. Eh bien, le moment est venu de changer beaucoup de traditions dans cette maison, d'accord? Beaucoup de choses vont changer concernant ça, et ma famille également. Bien sûr. Je comprends, j'imagine que tout ça, ce sont des ordres donnés par ta femme, n'est-ce pas? Leonardo, Irene me déteste. Elle essaye de te liguer contre moi. Elle veut m'ôter toute l'autorité de cette maison. Elle veut m'enlever l'amour de tes enfants. Et le pire, c'est que tu vas le lui permettre. Agustina, je t'en prie. Leonardo, tu vas laisser Irene Gutiérrez tout prendre et qu'elle te manipule de cette façon à m'enlever tout ce que j'ai? Hein? Je sais que tu penses être marié à une femme soumise, gentille, mais ce n'est pas le cas, Leonardo. Irene Gutiérrez est une harpie, une vipère, et elle va te dévorer, toi et toute cette famille. Agustina, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour la famille. Mais si par la suite tu souhaites rester avec nous, tu vas devoir absolument changer d'attitude. Irene, aujourd'hui, est ma femme. Et donc, aussi la propriétaire de cette maison. Tu dois respecter ses décisions. Très bien, Leonardo. Ne t'inquiète pas. Ici, on respectera aveuglément les ordres de madame, ta femme, Irene. Agustina, je ne veux pas causer de problème. Mes intentions ne sont pas de changer les habitudes et encore moins le fonctionnement de cette maison. Au contraire. En fait, ce que je souhaite vraiment, c'est de pouvoir m'adapter à vous. Ah, très mignonne. Mais tu dois comprendre que pour nous, ce sera un peu difficile de nous adapter à toi, Irene. C'est très compliqué de descendre de niveau. Agustina, fais attention à ce que tu dis. Consuelo? Madame? S'il te plaît, fais servir le petit déjeuner dans le jardin. Mais pas pour moi, d'accord? Et s'il te plaît, jette les journaux, parce que je ne veux pas que les enfants lisent toutes les choses désagréables et terribles que tout le pays pense de leur belle-mère. Prenez tout et à la piscine, s'il vous plaît. Avec votre permission, monsieur? Surtout, ne te fâche pas avec elle. Souviens-toi que nous étions d'accord pour éviter tous ces problèmes. J'apprendrai sûrement à gérer toutes ces situations. Calme-toi. Alberto, calme-toi. Je ne suis pas en train de me disputer avec toi. Je te rappelle que je te connais depuis que tu es tout petit, quand ton père était éditeur du journal. Mais oui, je suis fâchée avec toi, très fâchée. Non. Ce que vous avez publié sur le mariage de mon fils est vraiment insultant. Sache que cela m'a vexée. Ça me semble terrible. Pardon? Non, ne te dérange pas. Je suis au courant que le mariage de mon fils avec cette fille a été un scoop national, ça je le comprends. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec la façon dont vous traitez cette fille d'arriviste, de coureuse de fortune. Écoute, Alberto, écoute-moi. Oui, je suis vraiment très fâchée. Écoute-moi, je vais faire une chose. Je ne vais pas appeler notre cabinet d'avocats de l'entreprise, d'accord? Mais en échange d'un service, S'il te plaît, ça ne va rien te coûter, Alberto, mais laisse-moi parler. D'accord? Ça ne va rien te coûter. La seule chose que je désire, c'est le nom de la personne qui t'a fait parvenir ces photos. D'accord? Comment sont-elles arrivées jusqu'à vous? Vous les avez payées, ces photos, n'est-ce pas? Qui vous les a vendues? Mais oui, quelqu'un te les a fait parvenir. Vous avez payé cette personne. Écoute-moi, et pourquoi tu ne veux pas me donner les coordonnées du photographe? D'ailleurs, Alberto, si tu ne donnes pas les crédits à un reporter photographique, n'est-ce pas illégal? On va bientôt connaître la date de ton dernier entretien. Ta mère et Irene doivent être très attentives parce qu'on va certainement les appeler à témoigner. J'ai un petit peu peur de te demander, Felipe, mais tout ce qui s'est passé ici dans la prison, ça va pas me porter préjudice? Bien, ça dépend du juge qui sera assigné. J'ai au moins obtenu que la directrice de la prison nous signe une lettre qui te libère de toute responsabilité et qui explique que tu faisais que te défendre face à une agression pendant une bagarre. C'est tout. D'ailleurs, les vêtements qui ont brûlé, c'était pas un accident. Tu as rien à voir avec ça. Absolument rien du tout. L'interne qui l'a fait était soutenu par une gardienne qui s'appelle Maria et le plus grave, c'est que... c'est qu'il y a une personne dehors qui les aide. Maintenant, Virginia, tu en es certaine. Mais c'est elle-même qui me l'a dit. La personne qui est derrière tout ça, c'est Madame Ferrandis. Bien. Ok, Alberto. La seule chose que je veux, c'est cette information. J'attends ton appel, d'accord? Bien, bye, au revoir. J'attends ton appel. Je suis certaine qu'Alberto va nous donner cette information. Il va nous donner le nom de celui qui a fait ce reportage photographique. Ah, maman, tu es terrible. Quand je te vois prendre ce ton de calme et de sérénité, mon Dieu que tu deviens effrayante. Ah, mon fils, cela fonctionne toujours, l'intimidation, quand on parle de l'armée d'avocats, de l'entreprise. Tu sais, maman, si on obtient le nom de la personne qui lui a donné ces photos, peut-être aurons-nous une piste pour savoir qui est caché derrière tout ça. Je suis convaincue qu'il s'agit réellement d'un complot. Je ne sais pas. Tous les journaux utilisent exactement le même ton, reprennent les mêmes critères. Ah, mon fils. Mais je te promets, grâce à notre influence, que très vite, nous allons découvrir le traître. Très bien, maman, très bien. Mais je veux te prévenir d'une chose. Ne t'avise surtout pas d'aller le raconter à Leonardo. Ah bon? Juan Pablo et moi, on a essayé. Et tu sais ce qu'il a fait? Il nous a parlé comme à des fous. Il refuse catégoriquement de penser à ça. Il faut chercher une autre façon, maman. Cette femme me déteste. Elle croit que j'ai assassiné son fils. Mais quand je sortirai de prison, je vais leur prouver à tous que je ne suis pas une meurtrière. Je vais consacrer le reste de ma vie à trouver le véritable assassin de Miguel Ferrandis. Est-ce que Madame Lamentation est là? Parce qu'elle ne peut pas voir ce que j'amène. Non, 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 entre tranquille, ma mère est partie à la messe. Mais ne sois pas si mystérieuse et dis-moi ce qui se passe. Regarde, regarde ce que disent les journaux sur ta sœur Irene et son mariage. Oh non, je suis furieuse, ils sont cruels. Oh non, Sandra, c'est vraiment si méchant et si horrible ce qu'ils disent. Comme tu le racontes, je préfère ne pas voir. Méchant et horrible, c'est un euphémisme. Tu devrais lire tout ce qu'ils ont écrit. Que c'est une arriviste, une coureuse de fortune. Oh, je préfère même pas penser à comment elle se sent si elle a lu toutes ces choses. Quelle colère. Ma pauvre sœur. 5 minutes de bonheur et 1000 années de souffrance. Je crois que tu devrais la voir. Je sais pas, je pense qu'elle a besoin du soutien de sa famille. Bien sûr, sans ta mère, parce que autrement ce serait plus compliqué. Mais toi, tu devrais la voir. Je sais pas, Sandra, moi, je ne veux pas aller chez eux. En plus, Irène est forte et je suis sûre que ça lui est égal ce que disent ces journaux. J'espère que t'as raison, parce que si on écrivait un quart de ce qu'on dit sur Irène, je sortirais plus de chez moi pendant des années. Et si j'ose, bah... je me déguiserai. Ah, tu sais quoi? Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Irène est la meilleure femme du monde. Irène, quand on aura fini la promenade, on pourra manger une glace? J'adore les glaces. Bien sûr que oui. Mais d'abord, tu dois manger tout ton petit déjeuner, princesse. Ok. Bonjour, papa. Bonjour, Irène. Bonjour. Bonjour. T'habitues à ta nouvelle maison? Je dirais très bien. Petit à petit. Merci beaucoup. Papa! Papa! Dis à Miguel qu'arrivisme, c'est pas un sport extrême. J'ai pas raison, papa! L'arrivisme, c'est comme l'alpinisme. Bien sûr que non! Tu imagines Irène en train d'escalader une montagne? S'il vous plaît, allez vous asseoir. Et on peut savoir d'où ces choses viennent? Sur Internet. Regarde, Miguel et moi, on est sur la photo. C'est écrit « Irène Gutiérrez, championne d'arrivisme ». Tu vois que c'est un sport. Tu vois que c'est pas un sport. ya tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir